Ce n'est pas le genre d'entraînement auquel je m'attendais. Les loups sont morts. C'est ce qui compte. Si tu le dis... Il va falloir s'entraîner beaucoup avant que je puisse participer au combat. Quoi? Tu n'as pas envie de passer du temps avec moi? Le temps passé avec toi a été... Je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien. C'est étrange, mais j'ai l'impression de voir mon reflet en toi. Oui. Nous venons de nous rencontrer, pourtant, il y a un lien. Tu es un être unique, Cassandra. Il reste une étape à notre entraînement. Où va-t-on ? Chez moi. Alors on continue? Maintenant que nous avons sauvé les enfants d'Idrea de cette meute de loups affamés, j'imagine qu'on peut continuer? Tu plaisantes, mais ils représentaient une vraie menace. Tes choix ont des effets, Cassandra. Tes actions ont déjà amélioré la vie des habitants. Alors, on termine notre entraînement? Il nous reste des choses à faire. Pour s'entraîner ou pour se connaître? Je veux terminer cet entraînement, c'est tout. Toujours sérieuse, hein, championne? Tu devrais te détendre un peu pour changer. Nous verrons, après cette épreuve. On va faire une course à pied. La première au sommet de l'île l'emporte. Et si je remporte la course, qu'est-ce que je gagne? Le droit de te vanter. Splendide! Ce n'est pas le résultat que tu dois viser, mais l'entraînement. Après ça, tu pourras participer au combat des 100 mains. Je me porterai garante pour toi, et toi pour moi. La dernière partie de l'entraînement est une course? Le combat des 100 mains est une épreuve d'adresse, de force, mais surtout d'endurance. Un concurrent fatigué ne peut rien contre quelqu'un plein d'énergie. Je fais des offrandes à Hermès pour rester rapide. Je suis prête. Tu as parlé de courir jusqu'au sommet. Oui, le plateau de l'autre côté de la ville. La course commence quand je dis partez. 3, 2, 1... Partez ! Hey ! Alors, championne ! C'est loin d'être fini ! Ralentisse. Tu es rapide, malgré tout cet équipement. On oublie facilement à quel point cet endroit est magnifique. Quand tu t'entraînes si dur, tu veux dire? Je voyage beaucoup, mais c'est souvent pour d'autres gens. Je suis parfois si obsédée par l'argent, je perds de vue ce qui est devant moi. Par exemple? La brise marine sur mon visage. Le soleil sur ma peau, la force d'un cheval. Je viens ici pour me rappeler qu'il faut vivre dans l'instant. Je comprends ce que tu veux dire. Si
Si tu disais à Barnabas qu'un monstre marin vit dans ton oreille, il te croirait. Il n'a pas l'air très futé. En fait, c'est l'une des personnes les plus honnêtes que je connaisse. C'est l'île de Mélos, là-bas. Le temps de guerriers se rendent pour mourir. Lors du combat, nous devrons peut-être nous affronter. Et seule l'une de nous en réchappera. Je croyais que tu venais ici pour vivre dans l'instant. Ça te convient, comme instant ? Alors, créons un instant mémorable. Tu portes toujours autant de choses ? C'est le métier qui veut ça. On se dit adieu, alors ? Enfin, jusqu'au combat. Ne rends pas les choses plus difficiles. Mais je me dis que... nous ne sommes pas obligés de nous battre. Tu pourrais oublier ce combat, tout comme moi, mais tu ne le feras pas. Tu as raison. Adieu, Roxana.